du temps avec Mobilis. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, Météo Algérie a émis encore un bulletin météo spécial canicule. Les wilayas concernées sont Rolizane, Chlef et Ain Defla, où les températures dépasseront et ont dépassé aujourd'hui les 44 degrés jusqu'à demain après-midi, avec un ciel dégagé à peu nuageux sur les régions du centre et l'est du pays, mais le plus souvent voilé sur les régions de l'ouest. Demain, eh bien, on aura de la brume en début de matinée près des côtes ouest et centre, laissant place au beau soleil pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec toutefois quelques nuages sur les côtes ouest. Vers l'intérieur ouest, eh bien, on aura des foyers orageux qui vont se développer, pouvant engendrer quelques pluies durant la journée, des formations nuageuses sur les régions intérieures du centre et l'est du pays, le plus souvent voilées sur le sud-ouest, plus exactement, Tindouf, Béchar et tout au long des frontières algéro-maliennes, le Hégar et le Tassili, avec développement de foyers orageux qui peuvent aussi donner quelques averses de pluie qui seront localement assez marquées par endroits durant la journée. Ailleurs, le ciel restera plutôt dégagé sur le Sahara central, le Nord Sahara, les oasis, également le Sahara oriental, avec de fréquents soulements de sable sur le Sahara central, les oasis et le Sahara oriental. Les températures durant cette nuit et au lever du jour, eh bien, elles seront comprises près des côtes entre 20 et 21 degrés. Et varions entre 17 et 23 degrés vers les régions intérieures. Au sud, on relèvera 24 degrés sur le Nord Sahara, le Hégar et le Tassili. 26, les oasis, Hassim Saoud, Ouargla, également la Saoura. 28, Tindouf, le Sahara oriental. 29 degrés vers l'extrême sud. Et enfin, entre 31 et 32 degrés au Sahara central. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour demain, toujours la canicule sur l'axe Ain Defla, Chlef et Rolizane avec 44 degrés. 43 degrés à Tizi Ouzou, 40 Mascara, 38 degrés sur Alger, 31 Oran, 34 à Tlemcen, 32 à Annaba, 35 vers Siti Falbiya, 34 degrés Djilfa et Batna. Au sud, 39 degrés vers Biskra, 40 Gardaïa, Bécha, 46 degrés à Tindouf, 37 Taman Rasset, Djanet, 41 vers l'extrême sud, 44 In Salah, Ilizi et enfin le maximum compte toujours à Adrar avec 47 degrés. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers l'Amérique du Nord. Le ciel se montrera peu nuageux à Los Angeles, également Chicago, Montréal. Des nuages saturés de pluie intéresseront la ville de New York, Washington, Miami, également Mexico. Un temps dégagé à Topeka et Dallas. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 31 degrés à Los Angeles, 22 Vancouver, 26 degrés à Montréal, 24 à New York, 25 Washington, 31 du côté de Miami et le maximum cette fois-ci à Dallas avec 33 degrés. Et bien sûr, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour demain, mardi 23 juillet, le soleil se lèvera vers 5h45 pour se coucher à 20h03. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie et vous pourrez suivre ce bulletin sur YouTube. Passez une excellente soirée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à demain.